C'est ceux qui sortent pour se défendre. C'est eux qui vous encouragent à penser qu'on vous doit des explications. Moi, je ne dois pas d'explications à quelqu'un. Si je veux, j'estime que j'ai envie de venir faire parler avec quelqu'un. Je sors pour venir le faire moi seul. Sans je n'ai pas besoin qu'on me. Elle n'a pas à se justifier. Pourquoi elle doit sortir pour venir parce que vous êtes qui? Elle sort pour venir se défendre, parler, parce que qu'est-ce qui se passe? Hey! Elle n'est pas obligée. On n'a pas d'obligation par rapport à ça. Hein. Il n'y a aucune obligation. Personne n'est obligé de venir justifier quoi que ce soit sur la toile. Parce que dans la mesure même où ils ont signé le contrat en inbox là-bas, entre eux, là, c'est lui celui qui est venu sur la toile pour venir commencer à parler de ça, pour commencer à essayer de la salir. C'est lui celui qui est venu être sur la toile. Donc à un moment donné, il faut qu'il comprenne que, voilà, s'il n'a pas acquis quelque chose par les âmes, ce n'est pas en venant pleurant sur les réseaux sociaux. Il n'a qu'à arrêter de pleurer sur les réseaux sociaux, il n'a qu'à aller arranger sa maison et puis il n'a qu'à laisser la fille tranquille. Voilà, il n'a qu'à la laisser tranquille à vivre sa vie. Il a déjà saisi la justice s'en occupe, c'est tout. Elle a saisi la justice, il est ivoirien comme elle, non? Mais voilà, il est ivoirien comme elle. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un dans le pays. Va porter plainte chez qui de droit. Ils vont juger qui a raison, vous deux qui n'a pas raison. Chacun va amener ses preuves, chacun va amener son avocat. Ou bien, mais sur la toile, toujours sur la vie de la jeune dame, toujours en train d'essayer de la salir, toujours en train d'essayer de il faut arrêter. Elle n'a pas conçu son autorité pour que toi tu viennes la salir du jour au lendemain. Pourquoi? Elle ne s'est pas construite pour arriver là. Pour que toi tu vas venir un matin, venir te promener sur les panels, parce que les panels existent pour essayer de salir son image. Pourquoi? Faut arrêter de venir expliquer à faire. Tu expliques, on réexplique, tu expliques, tu réexpliques, tu passes sur tous les panels pour donner des explications. Ça sert à quoi? Faut aller expliquer ça au tribunal là-bas. Voilà, faut aller expliquer ça dans la clause de votre contrat là. Il y a des choses que le tribunal va prendre en compte. Et puis ils vont donner raison à qui? Entre vous deux là-bas, celui qui doit avoir raison. Hein? Il faut te mettre aussi à la place de M. Touré. Mais je me mets à sa place, c'est pourtant il lui dit de régler ça à la justice. Est-ce que les réseaux sociaux là, c'est la justice? Est-ce que c'est la justice? Moi, si quelqu'un me fait quelque chose sur les réseaux sociaux, que ça atteint à mon intégrité là, je l'emmène au tribunal et puis il ne parle pas de ça sur les réseaux sociaux. Je ne vais même pas sortir pour me justifier, pour expliquer quoi que ce soit. Je vais l'emmener directement au tribunal. C'est tout. Aïe! Si quelqu'un sort, vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter des balivernes à mon égard, hein, que ça atteint, ça dérange mon image, ça dérange mon intégrité, ça touche à ma sensibilité, d'après Gou, il dit que non, tu n'es pas habilité à parler de mon affaire de front. Là, tu es en train de toucher à ma sensibilité. Tu n'es pas habilité à parler de mon affaire de front. C'est ça. Tu viens toucher à ma sensibilité, mais tu veux salir mon honneur, tu veux salir ma réputation, mais je vais t'envoyer au tribunal. Ça là seulement, moi je ne paye pas avocat. Je cotise quelque chose tous les mois pour ça. On me prélève pour mes frais d'avocat. En cas de problème pénal, mon avocat est pris en charge à 100%. Il ne paye pas un centime. S'il y a appel à faire, on fera appel autant de fois que possible. Tout est payé par mon assurance. J'ai une assurance pour ça. Je n'ai pas.